Depuis son origine, la tome de Saint-Marcellin était réalisée à partir du lait de chèvre. Des textes du XIIIe siècle attestent l'importance des troupeaux de chèvres dans la région de Saint-Marcellin. Un arrêt de la cour du Parlement de Grenoble, vers 1730, réglemente l'élevage caprin pour un reboisement plus rapide des campagnes. Les troupeaux de chèvres diminuent et les fermières rajoutent du lait de vache. Vers 1870, l'essor du chemin de fer et la poussée urbaine changent l'organisation des marchés. Des ramasseurs font des tournées à dates régulières et livrent les Saint-Marcellin aux grands centres voisins. Le début du XXe siècle voit la naissance des fromageries et la disparition progressive du lait de chèvre. Le lait est récupéré chaque matin et suit un contrôle très strict et les conditions d'hygiène sont elles aussi réglementées. L'élaboration manuelle des fromages n'empêche pas d'utiliser les moyens les plus sophistiqués pour garantir, depuis la sélection et le contrôle du lait, la sécurité et la haute qualité de nos produits. Le lait est mis en bassine avant d'être emprésuré. Chaque bassine est étiquetée et répertoriée afin d'assurer la traçabilité du produit. Le cahier formé prend la direction du moulage. Le moulage se fait à la main et en faisselle. Seul le moulage à la main permet de soigner le cahier et de garantir une texture onctueuse. Pour ne pas déformer le cahier, le retournement se fait lui aussi manuellement en faisselle, fromage par fromage. Le salage se fait tout en douceur, sans manipulation du produit. Le fromage est ensuite mis sur clé pour finir son égouttage. Vient ensuite la phase d'affinage. C'est surtout pendant cette phase que le Saint-Marcellin développe ses arômes et son goût. Il est alors mis en caisse, direction le haloir. Chaque fromage évoluant à son rythme, c'est au toucher, fromage par fromage, que l'on détermine son degré d'affinage idéal et optimal. Le Vercors est un massif montagneux qui s'étend de Grenoble à Die sur 6 pays ou micro-régions fort différentes. Les hauts plateaux au sud du massif sont classés réserves naturelles. Le pays du fromage Saint-Marcellin marque une transition douce entre la montagne et la plaine, les Alpes et la Provence. En 1083, on révèle sur un acte authentique l'existence d'un village Saint-Marcellin qui doit son nom à un apôtre Marcellin présumé d'origine berbère. L'admirable église abbatiale de Saint-Antoine est le fleuron gothique du Dauphiné. Elle s'entoure de bâtiments conventuels, des jardins et des cours de l'époque, et elle conserve une grande partie du trésor religieux antonin. La légende rapporte que le futur roi Louis XI fit connaissance avec le Saint-Marcellin après un accident de chasse en pleine forêt de Lente, à la limite des massifs du Vercors et du Diois.
Perdu dans la montagne, il décide de se séparer de ses écuyers afin de multiplier les chances de retrouver le château de Bouqueron. Après s'être fait attaquer par un ours, il fut hébergé par deux bûcherons qui lui offrirent du pain et du fromage de pays. Le prince en fit moult éloges. Lorsqu'il monta sur le trône de France sous le nom de Louis XI, il introduisit le fromage sur la table royale. Aujourd'hui, le lait est ramassé dans différentes fermes de la région où des éleveurs de vaches laitières sélectionnées offrent une qualité de lait irréprochable. Jean-Pierre de Troyat, domicilié à Varacieux, fait partie de ces producteurs. Je suis tout d'abord un agriculteur. J'habite donc une petite commune du département de l'Isère qui s'appelle Varacieux, au cœur de la zone de production du Saint-Marcellin, et donc un producteur de lait destiné à faire une fabrication de fromage du Saint-Marcellin. On fait 2 traites par jour. Alors le lait est ramassé donc tous les 2 jours par un service de ramassage privé qui l'emmène dans les fromageries et destination fabrication du fromage. Alors la race de vaches que vous avez devant vous sont des Montbéliardes. Si on veut donner du bon lait, il faut des bons animaux, donc il faut bien s'en occuper aussi. La Charrette, restaurant très connu de la région romanaise, valorise à sa façon le Saint-Marcellin. Jérôme Balayer, chef de cuisine à La Charrette, ancien second chez Pierre Gagnard à Saint-Étienne. Je vais vous parler du Saint-Marcellin, un fromage que je connais très très bien puisque je suis né dans la région et tout près de Saint-Marcellin au pied du Vercors. Le Saint-Marcellin est un produit que je connais bien et que j'aime cuisiner. Donc différentes façons de le cuisiner. Tout d'abord, on peut le travailler chaud, en feuilleté, pâte feuilletée au beurre. J'ai décidé de mettre un Saint-Marcellin à l'intérieur avec un petit peu de lard fumé. Donc on fait notre feuilleté. À l'intérieur, on fait poêler du lard. On entoure le Saint-Marcellin de lard. On recouvre avec la pâte feuilletée, on met au four et on sert ça chaud au client avec une petite salade et une huile de noix. Donc ça c'est un feuilleté servi chaud, ça c'est une émulsion de Saint-Marcellin, huile de noix, herbes fraîches et noix hachées. Donc c'est très très bon aussi, c'est une spécialité de la région. Bien sûr c'est un fromage qui supporte les plateaux, qui va bien sur des plateaux de fromage fermiers avec un très bon pain fagot. Et on fait des ravioles au Saint-Marcellin. En sachant qu'il y a un pourcentage de Saint-Marcellin et un pourcentage de fromage de chèvre. Donc la vraie raviole, il y a 60% de Saint-Marcellin. Et pour atténuer un peu le côté vache, on coupe avec de la chèvre et beaucoup de persil. J'adore le Saint-Marcellin. J'adore le Saint-Marcellin parce que d'abord il est onctueux, il est beau. Et puis c'est un fromage vivant puisque au tout départ il est blanc. Et puis plus les jours avancent et plus il vit, plus il devient crémeux. Et au niveau de la cuisine et du toucher, c'est très très agréable. Et puis au niveau du palais, les clients se régalent aussi. C'est le meilleur fromage au monde. Et le patron, qu'en pense-t-il ? Bien, le Saint-Marcellin, je le connais très bien puisque j'ai fait mes premiers pas dans la restauration à Saint-Marcellin même dans un restaurant. J'étais apprenti. Donc c'est un produit, je suis né dedans et j'aime beaucoup ce fromage depuis toujours. Eh bien, Jérôme Palayer, le chef de cuisine de La Charrette, vous a bien parlé du fromage de Saint-Marcellin. Nous l'employons beaucoup ici. Mais il y a un restaurant dans la région qui est à quelques kilomètres de Romans, qui est Lucette Bouvarel, et qui, elle aussi, travaille beaucoup ce fromage de la région, ne serait-ce qu'avec les ravioles et sur ses plateaux de fromage tous les jours. C'est une bonne adresse aussi à vous conseiller. Ben, le fromage préféré, c'est le Saint-Marcellin, automatiquement. Les clients ils viennent dans la région pour manger de Saint-Marcellin. Normal quand même. Les qualités de ce fromage, c'est un peu quand ils sont un peu plus faits, un peu plus crémeux. Alors là, les clients les apprécient. C'est-à-dire que chez nous, on les achète et nous les faisons affiner. Et nous travaillons avec le fromage des Gruyères et le Saint-Marcellin. Et après, nous faisons nos ravioles. Tout à la main. Nous sommes les seuls à faire les ravioles à la main. Les spécialités, je viens de vous en parler, ce sont les ravioles. Faites avec le Saint-Marcellin. Et après, notre grosse spécialité est le poulet sauté aux écrevisses. Mon fromage préféré est le Saint-Marcellin, sans aucun doute. Le Saint-Marcellin a traversé les frontières de l'Isère et de la Drôme. Aujourd'hui, on le trouve dans la plupart des crèmeries et des fromageries de France. Affiné à la lyonnaise, il se déguste à la cuillère.
Les artisans fromagers qui parcourent les marchés de la région savent que leur clientèle est très friande de ce fromage. Pierre Rochette, fromager à Valence, nous donne son avis sur le Saint-Marcellin. Le Saint-Marcellin, donc, c'est un fromage qui vient de notre région, qui est fabriqué à Saint-Marcellin dans l'Isère. Au lait de vache, qui est délicieux. 50% de matière grasse, qui est légèrement salée, qui est une spécialité régionale. Le Saint-Marcellin, mais il est de plus en plus apprécié avec une appellation à la lyonnaise, donc. Beaucoup plus crémeux dans une coupelle. Voilà, c'est un fromage qui est affiné 3 semaines de plus. Et vous avez à peu près identique le Saint-Félicien, qui est au point de vue taille, qui est 2 fois plus grand et qui est à 60% de matière grasse. La fabrication du Saint-Marcellin peut être industrielle, mais aussi artisanale. Robert Chollet est fabricant depuis plusieurs générations à Chevrières dans l'Isère. Nous ramassons le lait le matin dans les fermes. Le lait arrive à la fromagerie vers 9h du matin. Ensuite, il est empésuré vers 11h et mis en bassine pour être travaillé le lendemain. Le lendemain matin, donc, j'ai des ouvriers qui fabriquent, c'est-à-dire qui moulent le Saint-Marcellin. Et ensuite, ils sont égouttés, mis dans un hallois mais naturel, c'est-à-dire à l'air libre, et après donc dans des hallois pour l'affinage. Donc le Saint-Marcellin après est commercialisé et suivant la région, il se déguste affiné, très peu affiné et presque blanc à 12 jours. Donc le Saint-Marcellin, nous on le vend de 12 jours à 30, 40, même plus. Si vous voulez, le Saint-Marcellin, bon, une douzaine de jours, il est à peine affiné, c'est-à-dire qu'on voit à peine des moisissures sur la surface du Saint-Marcellin. Et plus il vieillit, plus il prendra de la moisissure et plus il deviendra goûteux. Maintenant, si vous voulez, je peux vous proposer une visite et je vous fais voir différentes phases d'affinage de mes fromages. Par exemple, comme celui-là, c'est un fromage type Saint-Marcellin, mais très affiné, qui a minimum 60 jours d'affinage. Donc que j'appelle casse-croûte. Et vous allez voir à l'intérieur, il est très très crémeux. Donc voilà, il est affiné à cœur. Donc là vous avez des fromages qui ont environ 8-10 jours. Autre dérivé des fromages que nous fabriquons, les bouche-trous, c'est des petits fromages qui vont être commercialisés très 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 secs. Et aussi on fabrique des mini-bûches qui sont de là, mais bon on verra tout à l'heure. Par contre, ces deux noms de fromage ont une marque déposée. Bon, les mini-bûches, on les fabrique depuis une vingtaine d'années. Et les bouche-trous, il y a 5-6 ans que je fabrique des bouche-trous. Bon, principalement, mes produits sont vendus directement aux crèmeries, à des grossistes. Et nous faisons très très peu de la grande distribution. Très très peu. Ça fait 3 générations que nous sommes dans les fromages. Mon grand-père ramassait des fromages dans les fermes et les revendait ensuite. Mon père a monté la fabrication de fromages et donc moi je continue. Et bon, pour moi, le Saint-Marcellin, c'est un des meilleurs fromages du monde. Pour découvrir l'histoire du fromage de Saint-Marcellin, la vie des fromageries, le matériel traditionnel de fabrication et des collections d'outils, un musée a été installé au centre du village. Monsieur Curtet, président du comité interprofessionnel du Saint-Marcellin, nous y accueille. Les bureaux du comité interprofessionnel du Saint-Marcellin sont situés à l'intérieur même
du musée du Saint-Marcellin que vous pouvez venir visiter tous les jours. Je représente une quatrième génération donc, de fabricants de Saint-Marcellin. Mon arrière-grand-père était installé à Saint-Marcellin. Il était, on appelle ça coquetier, c'est-à-dire qu'avec une charrette et un cheval, il allait dans les fermes, il achetait les produits. Et après, au lieu d'acheter les produits finis, il a commencé à collecter le lait et à transformer. Pour fabriquer ce Saint-Marcellin, d'abord, il y a un cahier des charges qui a été mis en place au niveau de la production laitière et que doivent respecter donc, les producteurs de lait. Et nous, entreprise, nous collectons donc, tous les deux jours ce lait dans les fermes. Nous faisons des analyses qualitatives de ce lait à réception. Nous collectons toutes les entreprises 60 millions de litres de lait dans cette région prédéfinie. Et sur ces 60 millions, donc 3000 tonnes transformées en Saint-Marcellin et le reste étant transformé en d'autres produits, dont le Saint-Félicien, autre produit phare de notre région, les rigottes et puis aussi des banons. Le Saint-Marcellin est un fromage qui s'exporte de plus en plus. Mais comme il y a beaucoup de contraintes maintenant au niveau de l'export, parce que beaucoup de pays ferment leurs frontières d'une façon peut-être pas logique, mais c'est un des sujets de développement de notre interprofession. Dans ce musée, nous avons reconstitué le cycle de la fabrication du Saint-Marcellin. À commencer par l'étable, à savoir la production du lait. Alors vous voyez dans cette étable, telle qu'on la voyait 60 ou 80 ans, et tous les accessoires possibles qu'on puisse trouver dans une étable, avec tout ce que vous voyez autour, des prix, des cernées à la meilleure allaitante, etc. Bon, nous passons de la production au ramassage. Le ramassage du lait, tel qu'il se faisait dans les années 30. Le bidon au bord de la route, le camion plateau, on ramasse le lait et on l'amène à la laiterie. Ce principe n'existe plus à cause de l'hygiène maintenant. Tout se fait par aspiration, il n'y a plus de manipulation de lait, ni de transversement, ni quoi que ce soit d'un bidon à l'autre. Nous avons fait une synthèse entre la fabrication laitière et fabrication fermière. Nous avons préféré la fabrication fermière dans la mesure où le matériel est moins volumineux que dans la fabrication laitière. Vous verrez sur certaines images que le matériel étant trop important et vu l'exiguïté du local ici, nous avons préféré bien sûr la fabrication laitière. Alors, donc, s'il vous plaît. Et il y a un principe fondamental dans la fabrication du Saint-Marcellin, c'est la règle des 22. Il faut que le lait fasse 22 degrés. On l'emprésure avec 22 centilitres de présure pour 100 litres. Il caille en 22 minutes et il repose 22 heures avant d'être moulé. La présure est un produit que l'on tire à partir de l'intestin et de l'estomac d'un jeune ruminant. Vous avez cette partie-là qui s'appelle la caillette, qui est la particularité de cailler le lait. Donc le lait caillé, qui se trouve dans cette bassine, est moulé et vous avez ici les faisselles actuelles. C'est un récipient qui répond aux normes de fabrication du Saint-Marcellin, à savoir le Saint-Marcellin, qui est un fromage cylindrique à bord légèrement arrondi, qui prend sa forme dans ce récipient et qui, une fois affiné, fait 70 mm de diamètre, 20 à 25 mm d'épaisseur et qui pèse 80 grammes. Le principe, c'est de prendre les cahiers et de le mouler à la louche. C'est le moulage à la louche. Vous avez dans les laiteries, pour la productivité, la rapidité, vous avez cette louche qui est inversée, mais pour aller plus vite avec d'autres accessoires qui s'appellent des répartiteurs de faisselle, le principe reste le même. À l'époque, il n'y avait pas de normes du Saint-Marcellin et on trouve toutes sortes de faisselles. Vous avez des faisselles en bois qui viennent du Royat, qui ont entre 180 et 200 ans d'âge. On passe à toute la céramique et on vient au métallique. On passe par le métallique, mais avec des dimensions un peu bâtardes, quoi. Jusqu'à ce qu'on arrive, ici, donc, plastique alimentaire. Au bout de 48 heures, on sale le fromage, toujours dans sa faisselle. On le sale. Une faisselle un petit peu bâtarde, celle-là, on le sale et on laisse poser un peu.
Et pour qu'il prenne sa forme, c'est-à-dire arrondie sur les deux côtés, il faut le retourner dans la faisselle. Alors on le retourne dans cette faisselle et il y a un mouvement de main qui est très, très spécifique. C'est-à-dire on met le fromage sur la paume de la main, on le fait revenir sur les doigts et on le remet là. Vous voyez, c'est assez rapide. Moi je ne suis pas spécialiste en la matière, mais les professionnels mettent une seconde pour le retourner. Il est salé sur la deuxième face. Il est salé sur la deuxième face et au bout de 10 ou 15 ou 20 heures, on le met dans ses cadres et sur ses clés. Et ces clés, une fois remplies de fromage, sont placées dans des salles d'affinage qui s'appellent des haloirs. Et le fromage est affiné dans une température constante, un taux d'un degré d'hygrométrie constant. Et il est retourné, affiné, jusqu'à ce qu'il soit consommable au bout d'environ 22 jours. Les frères Bertrand du restaurant Les Cèdres à Granges-les-Beaumont ont donné au Saint-Marcellin, leur fromage préféré, une place de choix sur leur plateau, car il est très apprécié de leur clientèle. Non, c'est deux découvertes. En parlant de caractère, c'est vrai que le Saint-Marcellin est quand même un fromage qui a du goût. Qui est moins puissant qu'une époisse, qu'un maroilles, des choses qui sont beaucoup plus puissantes. Ça a du caractère, mais qui a ses, avec une légère touche d'acidité à la fin. Mais c'est un fromage qui est en même temps moelleux, souple. Enfin, c'est mon fromage préféré, donc on ne peut pas m'y tomber. La première des choses qu'on nous demande, c'est le Saint-Marcellin. Ça, c'est la première des demandes de la clientèle. Puis c'est un fromage qui plaît beaucoup, qui a un côté très, très onctueux, qui a un côté à la fois moelleux. On sert en plus avec un pain à base de noix. Donc les noix, c'est la spécialité un petit peu de l'argent. Nord-Isère, donc c'est vrai que ça s'associe vraiment très très bien. C'est vrai que c'est un fromage qui permet de continuer en étant toujours trop puissant, qui permet de continuer en douceur. Puis c'est tellement crémeux, je veux dire, quand vous touchez ça, c'est. Je veux dire, ça, on dirait un grain d'oreiller, je veux dire, c'est fabuleux ça. Enfin, moi, c'est, avec du pain noir, c'est pas ce que je préfère à mon goût personnel. Moi, c'est une baguette bien fraîche et tu manges ça. Bon, c'est le fromage que je mange tous les soirs à minuit. Quoi. Quand le chariot revient de ça, mais bon, ils sont à bonne température. Je crois que la température d'un fromage est très importante aussi. Parce qu'un fromage trop froid n'est pas bon. Donc il faut que le fromage soit à température de la pièce. Donc il faut bien penser à les sortir longtemps à l'avance, qu'il ait le temps de se ramollir, qu'il soit vraiment crémeux. Alors, en fait, en général, après le fromage, on conseille de croquer un petit grain de café, torréfié. Alors ça permet simplement de neutraliser le goût du fromage avant de passer sur les desserts. Ça fait une transition, si vous voulez. Le Saint-Marcellin tient une place importante chez les fromagers qui n'hésitent pas à disposer ce fromage en évidence dans la vitrine, son aspect sympathique et onctueux attirant la clientèle. Marie Quatrhomme, meilleur ouvrier de France, en parle avec ferveur et nous a laissé entendre qu'il faisait partie de ses fromages préférés. Ce petit Saint-Marcellin que vous avez là, qu'on a, je dirais, protégé entre une barquette d'aluminium et puis une petite opercule qui, je trouve à notre nom, mais qui est là surtout pour protéger le fromage d'un phénomène de dessiccation. Et un des gros soucis dans la conservation des fromages, que ce soit tant au niveau de la présentation en boutique que chez les consommateurs, c'est effectivement un problème de dessiccation. Donc concernant le Saint-Marcellin, qui comme chacun sait est un fromage que l'on peut déguster pratiquement à la cuillère, si ce n'est à la paille, on se doit de lui garder une certaine humidité. Quand on coupe un Saint-Marcellin, vous devez avoir donc une croûte qui est légèrement formée sur le dessus et à l'intérieur, une pâte complètement crémeuse qui se trouve dégagée à l'ouverture, légèrement jaune paille. C'est le signe du plus bel affinage que vous puissiez trouver. Lorsqu'il est beaucoup plus crémeux, d'où l'utilité de la petite barquette en aluminium, vous mangez pratiquement donc un fromage qui est à la cuillère. C'est pour moi le plus bel affinage qui existe. Vous avez la croûte qui protège ce cœur complètement crémeux. Et quand il est à ce stade-là, on a un fromage qui a une durée de vie relativement courte. Donc on vous le donne là, il faut le consommer relativement rapidement en le protégeant de son papier si jamais vous n'avez pas tout mangé la première fois. Alors, en ce qui concerne l'association avec un vin,
Dans l'idée qu'on peut associer deux produits d'un même terroir, vous pouvez toujours essayer d'associer ça avec un petit vin de l'Ardèche. En tout cas, toujours un petit peu frais, c'est ce que je préfère conseiller, et plutôt un vin rouge. Maintenant, si vous voulez tenter des essais un peu rigolos, on peut très bien imaginer un Côte-du-Rhône, plutôt sud, qui sera un peu moins charpenté que les Côtes-du-Rhône nord. On peut s'amuser avec un vin blanc, même si au départ le Saint-Marcellin étant un fromage de chèvre, c'est devenu maintenant exclusivement au lait de vache. Mais vous pouvez très bien vous amuser à goûter ça avec un vin de Sancerre un petit peu frais. Vous aurez un côté fruit d'un côté et puis cette espèce de goût de champignon qui est caractéristique du Saint-Marcellin et qui est dû à son affinage en cave. L'association peut être sympa. La grande règle que je donne toujours, c'est faites-vous plaisir, on verra après.